sommes devant un souci de taille non négligeable. Toutes nos centrales sont assiégées par la population. Je ne vous cache pas, messieurs, qu'il va falloir réagir très vite. Depuis l'arrivée de la météorite, des conséquences physiques ont eu lieu. En effet, les êtres humains se transforment en... coton-tige. Quoi ? Jean-Paul, le scénario, il a changé ? Qu'une nouvelle météorite se serait écrasée dans l'est parisien. La panique gagne les habitants de la capitale, alors que le gouvernement se réunit ce matin pour gérer cette crise sans précédent. T'as pas l'impression, quand tu te lèves le matin, de te sentir inutile ? Je sens que des innocents ont besoin de moi. Parce que c'est pas en restant le cul sur sa chaise qu'on va faire avancer les choses. Car c'est ensemble qu'on est plusieurs. Je te laisse, le devoir m'appelle. Arrive déjà sur les lieux. Le code Charlie remplace le Delta 12. Quel est le mot d'ordre de cette mission ? T'as pas l'impression d'en faire trop ? Juste le temps d'abandon annonce, quoi. Tenir les médias à l'écart de cette situation. Il ne faut pas laisser le monde entre les mains du premier venu. Non, faut pas. Sachez, messieurs, que cette mission nécessite de l'autorité. Arrête-toi, je te bute ! Tu prends le quoi, là ? Je suis le coton-tige. Mais t'étais pas débrouillé ce matin parce que le coton-tige est terminé. Ah non, je sais pas. Oh, coton-tige ! Quel film de merde. Personne ne peut venir à bout de l'anarchie qui s'est installée dans les rues. C'est bizarre de vous annoncer ça, mais je crois qu'il n'y a plus rien à espérer. Pour faire une bonne pintade à la goulash, n'hésitez pas à ajouter du beurre, le résultat n'en sera que plus croustillant. J'avais vraiment du seul perdre mes enfants. T'as pété, là ? T'as pété ? Ah, la porte, elle a pété ! Ok, personne ne bouge, là, c'est un putain de braquage, tout le monde à terre ! Premier qui bouge, le but ! C'est compris ? C'est clair ? Je rigole pas, là ! Qu'est-ce que tu fous, toi ? Dégage ! Tiens, remplis ça, toi ! Excusez-moi, monsieur. Et vous faites quoi, là ? Ça se voit pas, là ? Je lui demande un café. Je ne parle pas russe. Où est mon argent ? Pas d'espagnol.
Je t'ai dit où est mon argent. Arrête de te foutre de ma gueule. Pardon ? Arrête de te foutre de ma gueule. Écoute, je te donne 2 heures. Encore 2 heures. 2 heures, oui, 2 heures. Je vous rappelle. Apparemment, la présence des militaires sur le terrain n'est pas suffisante. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fait ? Tu sais, Franck, moi je suis pas un homme de parole. Je suis un homme d'action. Parce que comme le disait l'auteur, le toco. Je suis un homme d'action. Mais je peux pas faire demi-tour. Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent là-haut. Je suis là-haut. Hey, salut Michel, ça va? Oh, ça va, et toi, tu fais quoi ici? J'ai fait des petites coursettes, et toi? Bah, moi je suis en tournage, là, comme tu peux voir. Bah, bon courage. Merci, à plus tard. Il est con, lui. Le monsieur a l'air très énervé. Il est très énervé, oui! Il est très énervé, là! Totalement catastrophe, avec plein de mauvaises nouvelles, puisqu'il neige, il fait froid. Comment se déroule le tournage? Alors pour l'instant il fait froid. Alors en général on arrive et tout le monde est en retard. Putain. C'est la première fois que vous faites ça, que vous faites ça. Ouais, présent. Mais bon, si tu veux la filmer, c'est pendant que je te change. On ferme la porte. Hein. Je pense que ce tournage est plutôt fatigant. Hein. Voilà, merci. Ça va les mecs? Merci une dameuse. Non mais c'est du consent. C'est les flics, ça va être bien. C'est la caméra. Le générique est terminé, on fait quoi? Ah merde, bah attends, je vais enlever tous les éléments et puis on va passer au bêtisier, je pense, parce qu'il nous en reste. Soyez bien conscient de ce que je viens de dire. C'est pas du pipi de chat. Oh, attends, quel film de merde.